Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question 12. Si x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert, la limite lorsque 1 tend vers l'infini, 1 moins x à la puissance n multiplié par 1 plus x à la puissance n est égal à l'infini moins l'infini, 0 moins 1 ou bien 1. Donc, comment on va faire pour résoudre ce problème-là? C'est une question extrêmement concrète à la médecine et la médecine dentaire. Donc, on a regardé sur la méthode. La limite lorsque 1 tend vers l'infini de cette quantité-là, 1 moins x à la puissance n, fois 1 plus x à la puissance n, c'est exactement, c'est une identité remarquable, c'est exactement 1 moins x fois 1 plus x, exactement 1 moins x au carré, du tout à la puissance n. La limite lorsque 1 tend vers l'infini, de qui à la puissance n, est égale à exactement quel des cas? Si Q appartient à l'intervalle moins 1, c'est exactement 0. Si Q est supérieur à X sur moins 1, c'est exactement plus l'infini. Si Q inférieur à X sur moins 1, n'admet pas de limite. Quand on a 1 moins X au carré de l'équipe Q, غادي نشوفو كي مقارنة مع 1 موانزا غادي نلاقي اون بوز كي سي اكزاكتومون 1 موان اكس وكاري دونك واش كتلاحظ اكس ابارتيان دونك اكس سي انتر 0 اي 1 سو كي ايكيفالون كو اكزاكتومون اكس وكاري elle est moins x au carré entre moins 1 et 0, plus 1, donc c'est exactement moins x au carré plus 1, elle est entre exactement 0 et 1. Donc automatiquement, Q entre 0 et 1. Automatiquement, la limite de ça, c'est exactement 0. Donc la réponse, c'est exactement 0. On passe à l'autre question. 0, c'est exactement quoi? C'est la question C. Donc, je peux effacer ça. Donc, c'est automatiquement, on va cocher C. Après, je vais voir la question du 12, qui est 13. La question de l'extrait du concours. Donc, on a carré les limites, donc pendant la fonction, il y a qu'un A min le gel, donc 0 plus l'infini, donc soit A appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, strictement positif, et f de x défini par exactement c'est 1 plus x ln de la racine carrée de 1 plus A sur x. La question ici, donc, la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x est égal à combien? C'est exactement autant 1, b, c'est exactement 1 plus a sur 2, c, 1 plus a, d, l'infini, ou A. Donc, on va essayer de chercher la réponse exacte. Donc, je peux effacer ça. Donc, on a donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est exactement c'est 1 plus la limite lorsque x tend vers l'infini de cette quantité-là. Il a directement dit la cache que le réel est de forme indéterminée, donc il faut chercher une autre méthode. Donc, Hadi, qui a dit que nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc Hadi, c'est exactement ln de la racine carrée de 1 plus a sur x sur a sur x. On va multiplier ici par a. نخرج هاد لا راسين تعطينا واحد الان دو ميت تخرج لنا ا سور 2 بما ان هادي نو ديبون با دو اكس تخرج على برا تولي لنا 1 زائد ا على 2 لا ليميت
lorsque x tend vers l'infini, de ln de 1 plus a sur x sur a sur x. Ok? On va faire ça juste là. Donc, intégrale, exactement la limite, donc c'est exactement c'est 1 plus a sur 2, la limite lorsque x tend vers l'infini, de ln de 1 plus a sur x sur a sur x. D'abord, on va faire ça. شكل معروف ليميت معروف اللي كنعرفوه ديجا عندنا في البروغرام دونك هنايا اون بوز تي سي اكزاكتومون ا سو اكس دونك سي اكس طون فير لانفيني امبليك اوتوماتيكمون كو تي طون فير زيرو واش غادي تولي من هادي سي اكزاكتومون سي 1 بلس ا سو 2 لا ليميت لوسكو تي طون فير زيرو ln دو 1 بلس تي sur t. Ou la limite va en face, c'est exactement l'un des rôles, le temps de variation, c'est exactement ln de 1 plus t tout prime, c'est exactement appliqué à 0, c'est exactement 1. Donc à certains cas, 1, ça aide à la juge. Automatiquement, on va cocher c'est quoi? Je fais la question ici. On va cocher sur B. Donc B, il y a les vrais. Dans le concours de la médecine, elle finit chez. Donc on va chauffer une autre question. Notre question, on va nous jouer une carte, Inch'Allah, dans les mois à venir, Inch'Allah. On va nous une autre question, la question Q14. Q14, attends qu'on ait quel que soit x à partir de 1, c'est une bonne question. Je vais la question f de x, attends qu'on ait alpha exponentielle moins x au carré sur 2. Donc, on a la question, on va nous dire que c'est un peu. Donc, تعطير للمشتقة مشتقة f بريم دو x f بريم على المجال صفر واحد. Donc, comment on va faire? Donc, هنا مشتقة تعطير مشتقة على المجال صفر واحد. عطاو هما قال لك a نحاول نكتبو البعض قالك عطاو ا محصور اف بريم دو اكس محصور ما بين ا راسين دو او اي زيرو بي محصور ما بين ناقص راسين دو او اف بريم دو اكس زيرو سي ناقص واحد على جوج ou D ou E à table la bine 1 à la juge ou la kiss 1 à la jidre. Donc on va essayer de la réponse correcte. On va voir la belle démonstration, belle technique. أول حاجة دونك كنعرفو بلي إن إف تقبل الإشتقاق على المجال صفر واحد، غادي نشوفو المشتقة الأولى شحال كتساوي قابلة للإشتقاق مرتين إف بريم دو إكس إكزاكتومون سيتين كومبوزا سي موا إكس إكسبونسيال موا إكس أو كاري سور دو إف بريم إف دو بريم دو إكس شحال كتساوي هي المشتقة نتاع المشتقة الأولى اللي كتساوي لنا إكزاكتومون سي موا إكسبونسيال موا إكس أو كاري سور دو plus exactement c'est x exponentiel moins x au carré sur 2 qui est égal à exactement quoi x au carré ici c'est exactement quoi c'est x au carré moins 1 exponentiel moins x au carré sur 2. Ok, d'abord c'est dans le chiffre de tenir à dire chiffre t'arrivera f prime la dernière x à partir de la majeure مفتوح من المغلق كنشوفو معايا إكس أباتيان المجال المغلق صفر واحد يكافئ مباشرة أن إكس محصورة ما بين صفر وواحد يكافئ أن إكس كاري
أصغر من أو تساوي واحد ياك أكبر من أو تساوي الصفر يكفي أن إكس كاري موان زار ولا تستلزم أن إكس كاري موان زار أوكي حصورة ما بين ناقص واحد الصفر سيتاديك إكس موان زار كاري ينفريرس وتكرره واش كنعرفوا إشارة إف دو بريم هي بالضبط إشارة إكس كاري ناقص واحد وبالتالي وبالتالي quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f de prime de x inférieur est égal à 0. Donc, f prime est décroissante sur 0, 1. Ok? D'abord, f prime décroissante, donc je peux effacer ça. Lettre qui est f prime décroissante, donc il y a maintenant x. ينتمي إلى المجال صفر واحد يكافئ x محصور ما بين واحد وزيرو يكافئ أن f بريم تاع واحد أصغر من أو تساوي f بريم x أصغر من أو تساوي f بريم لزيرو أوكي شو بعرف أساسا لدينا f بريم لزيرو كتساوي صفر و f بريم لواحد كتساوي ناقص واحد على جدر وبالتالي f بريم x محصورة ما بين صفر وناقص واحد على جدر شوفوا الإجابة أنا غادي نكوشيو هنايا غادي نكوشيو إكزاكتومون على Exactement, quelle question c'est la réponse? Exactement la réponse B. Donc, on a déjà eu B. On coche LR. Donc, merci de votre attention. Après, Charles, je ferai des autres questions.